Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Possible, ça l'occupe. Jérôme Lusenge, bonne année au téléphone de Gino Rema. Dans la province du Sankuru, les cinq membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale sont connus. Lambert Makonjo Nongue a été élu président du bureau. Il a comme adjoint Stanislas Ofumbo. Du côté de la société civile, on attend de ce bureau un travail de qualité pour le développement de cette province. Détail Alain Saveur Makoba. Les cinq membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciales du Sankuru ont été élus mercredi 24 avril, une élection qui est partie jusqu'à la nuit afin de connaître tous les membres. Lambert Makonjo a été élu président alors qu'il a fallu un deuxième tour pour voir Stanislas Oyono être élu vice-président et Fiston Bouxon Ilunga être porté au poste de rapporteur. Nissi Lambert Nkoy a réussi à battre la seule femme en course pour prendre la place de rapporteur adjoint, candidat unique à son poste. Emmanuel Edingo prend la place du caisseur de l'organe délibérant. Confié à Top Congo FM, Lambert Makonjo, nouveau président de cette institution, parle de l'unité pour le développement du Sankuru. Avec l'exécutif provincial qui sera connu à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler main dans la main pour essayer de booster le développement de notre province. Donc je pense que ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif et qui ne peut être réalisé que dans une cohésion provinciale. Pour Albert Agnier, aider la société civile et révolutionnaire du Sankuru, il y a beaucoup à faire pour permettre les décollage de cette région. Nous voulons que cette assemblée provinciale puisse sortir les édits pour le décollage de la province, les infrastructures routières, la scolarisation des enfants et que l'argent des contribuables puisse entrer dans la caisse de l'État pour les travaux. Voilà les attentes de la société civile. De Kananga, Alain Saver Makoba pour Top Congo FM. Et dans le Kasaï oriental, le bureau de l'Assemblée provinciale affiche aussi complet, c'est le député